Bonjour à tous et à toutes, c'est Olek, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Histoire de Chat, où je vais vous parler d'un chat français qui a une tourelle assez étrange. Je parle bien sûr de l'AMX-13. Seul char de combat léger produit en série en Europe pendant la guerre froide, l'AMX-13 connaît son baptême du feu dans les sables du Sinaï, dans le Pendjab, en Algérie, au Liban, au Maroc et au Cambodge. L'AMX-13 a été conçu par l'atelier de construction d'Issy les Moulineaux. Produit à 7700 exemplaires, dont 3400 exportés dans 35 pays. C'est pas rien quand même. Entre 1953 et 1985, le nombre 13 définit à l'origine le poids du char en tonnes. Le premier prototype fut achevé en 1948, et la production commença à l'atelier de construction de Roanne, à Évreux. Au cours de l'année 1952, la fabrication se poursuivant jusqu'en 1960, on décida alors que le char AMX-30 et la famille AMX-10 seraient produits par l'ARE. La fabrication de tous les véhicules de la famille AMX-13 fut donc transférée à Chalon-sur-Saône, dans les établissements de Creusot-Loire. Sa conception est très avancée, notamment grâce à sa tourelle oscillante FL10, qui permet de monter sur un châssis de char léger des canons longs à grande vitesse initiale de calibre 75, qui est inspiré du canon du Panther, puis 90 mm et même 105 mm. Elle permet totalement de concilier légèreté, petite taille, rapidité et puissance de feu. La tourelle oscillante présente aussi des inconvénients notables. Le rechargement en feuille de place est automatique. C'est un bon point, mais on verra juste après qu'il y a un petit problème. Avec un système de barillet de 11 coups qui oblige à recharger le véhicule à l'extérieur. Potentiellement sous le feu de l'ennemi, de fait les véhicules opéraient par paires alternées et ne procédaient qu'à une action de retraite défensive. Leur blindage, léger, était en décalage complet par rapport à leurs armements. De fait, le véhicule devait être utilisé judicieusement face à des blindés de catégorie supérieure. Autre problème, la tourelle étant séparée en deux parties, la protection NBC est impossible. Un réel problème pour le genre de conflit imaginé face à l'URSS. Enfin, la forme de la tourelle est un vrai piège à obus. Le châssis de l'AMX-13, sensiblement modifié à plusieurs reprises, a servi de base à la famille de blindés la plus complète qu'on ait jamais construite. Elle comprend l'obusier automoteur de 105 mm M61, le canon de 105 mm autopropulsé F3, le bitube de 30 mm anti-aérien, le véhicule de combat d'infanterie avec ses innombrables versions, le véhicule de combat du génie, le char de dépannage et un poseur de pont. La première version de l'AMX-13 était équipée de la tourelle FL10, armée d'un canon de 75 mm et d'une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm. Le canon était alimenté par deux barillets contenant chacun 6 obus. La munition anti-char pouvait percer 170 mm de blindage. Elle fut utilisée en grande quantité par Israël pendant la guerre de 1967. Plus tard, tous les AMX-13 de l'armée française furent armés d'un canon de 90 mm, pouvant tirer des obus à mitraille, explosifs, anti-char et fumigène. Plus récemment encore, un projectile sous-calibré à sabot détachable, capable de percer 3 packs de blindage standard de l'OTAN à 2000 mètres et sous une incidence de 60 degrés est mise au point. Le char AMX-13 à canon de 105 mm a été spécialement conçu pour l'exploration. Il reçoit une tourelle plus lourde, la FL-12, qui équipe aussi le chasseur de char autrichien SK-105. On va reparler de l'AMX-13 90. En 1964, le retrait des M47 impose de trouver une solution de remplacement en attendant la sortie de l'AMX-30. Le choix portera sur la modernisation et le réarmement d'une partie du parc des AMX-13 et EBR. On va reparler de l'AMX-13 90. En 1964, le retrait des M47 impose de trouver une solution de remplacement en attendant la sortie de l'AMX-30. Le choix portera sur la modernisation et le réarmement d'une partie du parc des AMX-13 et EBR. Au début des années 60, le 75 mm à vitesse initiale de 1000 m/s ne correspondait plus aux besoins du champ de bataille. Le canon fut alors remplacé par un 90 mm à charge creuse, au pouvoir perforant supérieur. Et maintenant on va parler des quelques nombreuses variantes. L'AMX-13 FL-11. En 1954, à la fin de la guerre d'Indochine, les matériels blindés sont tous d'origine américaine ou britannique, datant de la Seconde Guerre mondiale. Et leur usure se fait passablement sentir. C'est pourquoi l'armée française envisage d'adopter un AMX-13 avec la tourelle FL-11 dotée du canon de 75 mm de l'EBR. L'AMX-13 T75 mm SS-11. L'industrie française est très avancée en matière de missiles anti-char. Et elle essaye, dans de nombreuses configurations et sur de nombreux châssis, de tester les missiles.
le centre de tir des engins blindés de Mailly-le-Camp propose une solution avec le montage de missiles SS-11, c'est-à-dire sol-sol, de part et d'autre du canon de 75 mm sur la tourelle FL-10D2. Le principe est accepté en 1960 et les premiers exemplaires sont livrés en janvier 1963. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, me suivre sur Twitch où je fais des lives régulièrement, et de venir sur Discord pour qu'on puisse discuter. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de Char.